Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Track Day. Aujourd'hui, vous le savez, c'est une spéciale Super Tourisme. Et après la Citroën de Sébastien Loeb, place à une voiture d'un pilote que j'adore, Tom Coronel, le pilote néerlandais. Cette voiture débarque également dans Forza Motorsport 6, dans le dernier pack du jeu de Turn 10. Mais si vous êtes fan de la série, eh bien il faudra passer par Assetto Corsa pour pouvoir prendre le volant de cette TC1. Au niveau des spécificités techniques, rien de changé comparé à la Citroën. Je vous les redonne malgré tout. Un poids de 1100 kg comme le veut la réglementation. Un couple à 190 Nm, 230 km/h de vitesse de pointe. Et un 0 à 100 en 5 secondes 9. L'arme indépendante la plus performante, puisque il faut savoir que les Chevrolet ne sont pas soutenus officiellement par l'usine. Et la meilleure équipe, c'est bien sûr le Royal Motorsport, l'équipe de Roberto Ravaglia et de Tom Coronel, qui avait, sous les couleurs de McGregor à l'époque, fait une très belle saison en remportant le titre des indépendants. Comme je le disais tout à l'heure sur la vidéo de la Citroën, que je vous invite à consulter également, c'est beau visuellement, au niveau du comportement, c'est précis. C'est vraiment super fun et c'est un pur comportement de super tourisme. Nos amis portugais, dont le lien est dans la description, ont fait un boulot démentiel. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous laisser profiter de cette Chevrolet Cruze en train d'attaquer le goudron. Montez le son, les amis.